Salut Benoît. Bonjour mon Dany. Ça va? Plutôt pas mal. Hey, on est à Marseille. Arrête. On est à Marseille, il fait beau. On est en train de conduire une Kia. Une Kia. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, il l'a placé. Il l'a placé. Bon, pousse-toi un peu là, pousse-toi. Hey, attends, est-ce que t'as remarqué un truc? C'est que ma chemise est raccord avec... Ta-da. La Kia. Voilà. Exceed. Hey, ça, c'est le défilé Fashion Week façon Marseille. Oh là, à l'arrache. Ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas du vlog comme on les aime, ça. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les essais, surtout chez Kia, regarde, c'est les plaques. Je suis très fétichiste des plaques, mais si vous lisez bien, vous mettez un I ici. On lit quoi ici? Kim? Non, là. Fuck Kim? Non. Fuck. C'est un I, ça. Kimia? Je le suis pas. Répétez après moi. Faut que mi. Voilà. Voilà. Et le heureux. Fuck me 158. Fuck me 158. Bon, ça, je sais pas si ça va passer dans une vidéo. Ça, je sais pas si ça passe dans une vidéo. C'est pas un message pour les Marseillais, mais c'est juste un message pour celui qui me ferait une queue de poisson. À bon entendeur. Wow, le clash. Comme on dirait. You want to fuck me? Okay. Et on a le one to fuel the car if you need. Ah, ok. Vous avez de l'eau aussi, ok. Bon voyage. Merci. Merci. Il y a un détail très intéressant pour une fois, c'est qu'on a quand même la carte. La carte des KV pour. Avec ça, tu pars où tu veux. C'est-à-dire que c'est essence à volonté, péage à volonté, jusqu'au Danemark. On m'a dit de faire une séquence intéressante. Là, t'es très intéressant. Génial. Et si je racontais qu'on a croisé une voiture qui transportait du foin? Oui, mais comment était sécurisée cette voiture? Elle était attachée à l'arrache. Bon, il n'y a pas de quoi en faire tout un foin, je sais. Vous ne connaissez pas, mais c'est le roi du calembour. Ouais. Non, blague à part, super écran. Panoramique, digital. De mémoire, 12,3 pouces de diagonale. Me demande pas combien ça fait en, attends, en centimètres. 1, 2, non mais diagonale en 3, plus. Ah d'accord. Comme ça. 1, 2, 1, après 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Ah ouais, c'est ça. Ah, tu vois, c'est ça. Ils sont forts. Non, vraiment, c'est impressionnant. On a l'impression que c'est un tout petit écran hyper délicat. À Marseille, moi je le laisserai pas dans la voiture. Non, vraiment, c'est impressionnant. On a envie de la caresser, cette voiture. Elle est bien faite. Hein. Vraiment, c'est une très très bonne surprise. On dirait que la voiture, elle est en HD. Je sais pas. C'est beau. C'est. Regardez, vous sentez ça? Non, mais c'est un plaisir. Vraiment, c'est. Bon allez, je vous laisse profiter. Bon, Dany, c'est l'heure. Allez. On va conduire quoi, là? Toujours la même. La Kia. Exceed. Numéro 14. Et matriculation? Je sais plus, il y a un truc avec Fuck Me, mais... 158. 14. Bleu ou jaune? Toujours la jaune. Non mais ton goût. Hello. Allez, vas-y, tu commences. Thank you.
Ouais, t'es pas en stress, Dani, là? Trop. Tu fais une marche arrière rien qu'avec la caméra. La caméra dit de vérifier l'environnement pour ma sécurité. Qu'est-ce que je fais? Et la mienne? Ils y pensent à la mienne? Notre, non, il dit ma sécurité, pas vous. Quoi? C'est un your, vraiment toi, c'est tu, c'est la voiture me tutoie. C'est pas un camion, c'est pas un bus, c'est le coffre de la Exide. Alors ici on est sur le challenge Kia. Le concept, c'est on va ramener les deux voitures sur la plateforme et on va essayer de trouver l'équilibre parfait. Alors ne faites pas ça chez vous. Oh là là. Oh là là. Oh là là là. Oh là là là. Oh là là là. J'avance ou pas? Tu prends des risques. Oh là là là. Oh là là là. Oh oui 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 oui. Il a réussi. Attention. Non, j'ai le pied un peu lourd. Ah, attention. Je t'ai toujours dit que t'étais un peu lourd. Attends. Je vais trouver. Non, en fait, je suis plus de ce côté-là en skate. Concentration, concentration. Bon, Dani, j'ai confiance en toi. C'était bien les essais, en fait, avec la revue auto. Jusqu'à ce qu'il y ait des challenges un peu... Bon alors Dani, tes impressions? Ne faites pas ça chez vous, franchement c'est vraiment de la cascade à haut niveau. Surtout quand tu montes sur les deux plateformes, à un moment tu ne sais plus où tu vas en fait. Tu vois le ciel donc tu te dis bon ok, j'ai une proie dans le ciel. Et puis l'instructeur te dit approche-toi comme ça, comme ça, comme ça. Et à un moment tu te dis ouais mais bon, pour être aussi précis que ça, tu t'avances un peu trop. Et alors là, si tu t'avances un tout petit peu trop, bam! Heureusement, j'ai cru que ça allait être beaucoup plus... percutant. Percutant comme choc, exactement. Mm-hmm. Et non, ça va, ça fait un petit boom comme ça. Mais heureusement, j'avais attaché ma ceinture. Et en fait, le but, c'était de trouver l'équilibre parfait dans la voiture. Mais je sais pourquoi j'ai pas réussi. Il y avait la clim. Sois bon Benoît, c'est la revue automobile que tu représentes là. Force. One and a half meter. One meter. 60 and stop. Let me try. Je l'ai du premier coup, mon bonhomme, hey. Non, je crois pas, non. Il est en train de te rééquilibrer le truc. Premier coup.
Du premier coup. Oui, 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 sans intervention humaine. Hein. Du premier coup, ouais. C'est qui le patron? Bouge pas trop. Et maintenant, j'y vais avec mon corps. Allez, allez, vas-y. Fais-nous bouger ton corps. Fais-nous bouger ta Kia. Ouh louloulou. Alors, c'est qui le patron? c'est bien pour un premier essai, c'est pas mal. Finger in the nose. Ouais, cache ta joie. Mais tu sais quoi? C'est grâce à toi. Voilà. C'est la différence par rapport à toi. J'ai mis en automatique, certes, mais j'ai mis en première vitesse. Comme ça, il n'y avait pas de coupure de coupure. Ah, eh ouais, malin. Eh ouais, j'ai fait du 4x4, monsieur. Il est malin, mais on a beaucoup à apprendre de Benoît. C'est vrai, il s'en toutoie. Nice to meet you, Joanna. Hello. Hello. Nice Benoît. To meet you too. Are you German? I'm Austrian. Ah, Austrian. Ich spreche Englisch und Deutsch, aber ich habe es total vergessen. Okay, kein Problem. Ich spreche ein bisschen Englisch. Kannst du Französisch? Un petit peu. Oh. Genau. Bon. Genau. Allez, moi je m'en vais. Allez, hop. So, first rough situation we have in our city are really deep potholes. What is the city that has this? A city that has this? Yes. Or Marseille, for example. Ah, Marseille, yeah, definitely, definitely. Or, bim! On va se prendre un taquet dans la gueule. Il a voulu faire l'intelligent, c'est là. La vérité. Et donc, grosso modo, c'est la vérité. Elle vient dire que la seule ville où on peut voir des trucs comme ça, c'est à Marseille. Bon, bim! Bon, à bon entendeur, les Marseillais. It was a nice, yeah. Nice comment. But your colleagues from Switzerland also have told me they have roads like this, or in London they have roads like this. So yeah. They feel like home here. Okay. Je l'ai. Vite, sors. Ouais. Et trois clés. Prochaine fois, on fait une copie. Hein. Oh, Benoît, enfin vous êtes là. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe quand un candidat dans Fort Boyard oublie la clé dans la cellule? Allez, vite. Il est emprisonné? Non, encore proposé. Il est battu? Mais non! Il appelle un serrurier! Tout est calme. C'est calme? C'est calme. C'est calme? Ouais, c'est calme. Alors, t'en as pensé quoi? Bizarre quoi, au niveau du comportement routier? Exactement. Bah, assez surpris. Vu que cette compacte est surélevée de à peu près 4 cm, le comportement routier est très neutre. Les mecs ont bien travaillé. Et les suspensions à butée hydraulique, qu'on a déjà vu sur Citroën ou C5 Aircross par exemple, sont sur le train avant et c'est vraiment très efficace. Ça gomme bien. Par contre, vu qu'ils nous en ont mis que à l'avant, l'arrière trépigne. Et c'est assez désagréable. Donc voilà, mi fig mi raisin. Combien d'étoiles? Alors si je devrais mettre des étoiles, 3. Je vois pas plus. Le look, plutôt pas mal. Le comportement, bien, mais... Voilà, il manque le train arrière qui gigote. Au niveau du moteur, c'est suffisant, mais il est assez glouton. Parce que là, durant notre essai, on est à 9,8 litres sur 130 km. C'est beaucoup. Ok, on a fait de la montagne et que j'ai un petit peu abusé sur la pédale droite, certes. Mais bon, c'est quand même beaucoup. Que si c'était 8,5, j'aurais fait ok. Et l'intérieur, je trouve, à différence de toi, je trouve que l'intérieur est un peu cheap. C'est-à-dire qu'ils ont mis des boutons pour mettre des boutons, ils ont essayé d'enrober ça dans du plastique assez cohérent, mais il manque de la finesse.
Et toi, dis-moi ce que tu en penses. Moi, je mettrais 4 étoiles pour les mêmes raisons que toi, sauf une étoile d'encouragement. Car qui arrive à faire tout ceci peut faire mieux. Ah ouais, qui a fait... Oh purée. Bon, allez, je m'en vais, moi. Allez, plus. Allez, gars.